Salut tout le monde, c'est Myriam, de retour dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est Shawn Mendes. Je m'en vais le voir ce soir avec Marie-Jeanne. Je suis super excitée! Fait que là en ce moment je suis en préparation parce qu'il me reste une heure avant de la rejoindre. En ce moment il est 11h. Puis on s'en va faire un tour à Montréal. On a une activité de prévue que je vais vous montrer. Ça a l'air que c'est une nouvelle activité populaire à Montréal. Là, qu'est-ce que j'ai fait un matin? J'ai déjeuné, j'ai été courir, j'ai pris ma douche. Puis j'étais allée à Mal parce que j'ai reçu plein de paquets que j'étais vraiment contente de recevoir. Donc, le paquet que je voulais vraiment avoir pour aujourd'hui, puis je l'ai eu un matin à 9h. Fait que merci Post Canada. C'est de dynamite. Fait que dynamite, mon. J'étais pas sûre ce que j'allais mettre aujourd'hui, ben, ce soir en fait. Fait que j'ai commandé deux tops. Donc le premier, c'est lui que ben, c'est lui que j'ai choisi. Excusez-moi, attends, dès la lumière. Donc j'ai choisi. Dans le fond, c'est un out of shoulder, mais je suis pas capable. Va falloir que j'apprenne comment le mettre là, mais. C'est difficile. En tout cas, c'est un out of shoulder comme ça. Donc, il est noir avec des belles fleurs. Puis là, j'ai décidé de le mettre avec des shirts un peu taille haute parce que le chandail, il va quand même pas trop bas. Fait que il est quand même très tight. Puis l'autre chandail que j'avais, ben c'est une camisole. C'est celle-ci. Donc, elle est toute beige, ivoire, avec des belles fleurs, les mêmes fleurs qu'en ce moment que je porte. Celle-là, attendez, j'ai les étiquettes après. Donc, elle est 24,95 puis c'est la camisole satin call neck camé en cream floral. Donc, c'est celle-là. En tout cas, mais fait que j'ai choisi elle. Puis là, vous me faites penser que j'ai pas enlevé les étiquettes de celle-là. Fait que je vais les enlever. Là, il me reste juste à nettoyer le bordel de mes shirts parce que j'étais pas sûre quel shirt j'allais mettre avec mon chandail. Puis, regardez, c'est Monsieur Blissard. Il est tellement cute, ce petit amour-là. Fait que ça, fait que je vais maquiller, finir mes cheveux. Puis dans une heure, on rejoint Marie. Fait que je vais vous sûrement vous reparler d'ici là. Puis faut pas que j'oublie de dîner. C'est ça que je fais à matin. Fait que go, go, go. On se reparle tantôt. Bon, on est arrivé à Montréal. Puis là, on s'en va faire un petit tour d'autobus. Marie est là. Puis c'est ça, on a entendu parler de ça d'Étienne Nadeau. C'est un petit autobus rouge. Attendez, elle est juste derrière moi. Juste de même, dans le fond, que vous pouvez, on peut être sur le toit. Puis on va aller faire ça juste avant Shawn Mendes. Fait que checkez comment c'est cute. C'est genre juste un petit autobus de même. Puis là, on va voir comment ça va être. Fait que c'est juste avant Shawn. Fait qu'on va faire ça. Puis là, il y a la maman Marie qui nous accompagne. Elle est full fine. C'est notre lift. Boss. C'est vraiment le fun. C'est drôle de pouvoir regarder un peu plus Montréal. Donc là, on a décidé d'aller manger à la Belle et le Bœuf. C'est ça, sur Sainte 4 à Montréal. Puis là, c'est comme à 10 minutes du centre-ville. Fait que c'est pas si pire. Ça ne tentait pas d'aller comme à Cage ou au Bâton Rouge. Fait que on va vous montrer ça. On a juste hâte de boire un petit verre sur la terrasse. C'est pas bon? Bon ben on est atterri aux trois brasseurs en fin de compte. Parce que ben la Belle et le Bœuf, il n'y avait pas d'électricité. Fait que là, on a pris de la sangria. Puis ben ça a l'air qu'elle est pas tant bonne. Elle est bonne, c'est bonne. Fait qu'on vous montre tantôt qu'est-ce qu'on mange, mais ça va être bon, je pense bien. Bon. On vient de sortir du Trois Brasseurs, c'était vraiment bon. Les loups! Puis là, on s'en va voir qui? Shawn! On s'en va voir Shawn! On a tellement hâte. Puis là, ben, j'ai bien vu sur Instagram et YouTube qu'il y en a plein qui vont être là. Je penserais pas les voir, là, bien sûr, parce que ben,
le Centre Bell va être sûrement plein. Fait que j'ai vraiment hâte. Fait que je vous fais juste vous avertir que les prochaines images risquent de... Je vais essayer de baisser le son pour pas que vous entendez trop fort, mais je vais essayer de vous peigner les meilleures tunes. Puis le verdict de mon chandail, ben, je l'aime full, mais pas quand il lève, parce que c'est pas la bonne couleur à l'autre bord. En tout cas, fait que c'était vraiment bon, puis on est vraiment hâte. On est le fun! Ben, on est demain! On est là le lendemain matin du concert de Sean. Hier, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ben le show a fini vers 10h30, c'était pas tant pire. Mais moi, j'avais une heure de route à faire. Parce que dans le fond, je suis vraiment dans l'ouest de Montréal, de l'île. Puis avec le trafic, puis c'est juste que c'est pas loin, mais la route est juste comme... c'est une heure. Fait que c'est ça. Fait que, puis quand je suis arrivée, je filais vraiment pas. Je pense que c'est juste dû à la fatigue. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais vous vlogger le lendemain matin. Fait que, dans le fond, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré vous vlogger ma journée. Puis, mon Dieu, qu'il était beau, Sean. On était dans la secte en haut des Rouges, nous, où qu'on était situés. Puis c'était quand même une bonne place. Puis Sean, il était juste comme... c'était cute. C'était un très bon show. Fait que j'étais contente d'y aller. Fait que sur ce, je vous dis un gros merci. Puis on se voit dans une prochaine vidéo ou un vlog. Je sais pas qu'est-ce qui va donner la prochaine fois que... quelle vidéo je vais sortir la prochaine fois. Fait que passez une très belle journée. Bye!